Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Nous avons bienvenue dans Voix Entrepreneur. Voix Entrepreneur, c'est une émission qui est consacrée à tout acteur économique dans le secteur entrepreneurial. Et deux institutions qui portent l'émission ça pour vous, c'est Télépacifique avec la plateforme Entrepreneur, ça c'est Business Pam. Je dis à nous un gros plaisir pour accueillir parmi nous le représentant de la compagnie ODPET. Et nous pensons que nous allons passer un excellent moment avec vous. Monsieur Audelin, bienvenue. Merci Jacques, et c'est un plaisir pour nous sur la plateforme de ce matin hein, et dans le cadre d'émission Voir Entrepreneur. Et c'est un honneur pour moi tout pour m'accueillir dans le studio Radio Télépacifique. Je crois que pour le monde qui ne connaît pas, qui ne parle pas de ODPET, c'est une occasion et pour suivre avec nous comment un jeune entrepreneur qui gagne toute une histoire avec plaisir, Mathilde va le partager avec nous, histoire. Nous aimons rappeler que dès chaque logo, dès chaque brand, dès chaque image, chaque conseil, il y a une idée. Et l'idée, ça, c'est un leader, son penseur, qui, après un pile patience, détermination, un pile motivation, finit par bali corps. Donc, les gens qui ont une chance de visiter déjà au dépeint, et les gens qui ont beaucoup de chance de visiter, pour que matin, entretien économique, ça pourrait permettre que nous connaissions plus sur l'entreprise. Ça. Donc, c'est pour ça que fait nous avons dit, M. Audelin, est-ce que vous êtes capable de présenter nous historique, historique comme visionnaire, qui côté l'idée ça a sorti et qui côté rendu aujourd'hui, qui côté arrivé aujourd'hui avec nous? Merci, Jacques. En fait, l'histoire est sortie, disons, en 1998, il y a eu un incident qui est arrivé. Et c'est un incident malheureux, regrettable, avec le dernier patron. Et donc, après l'incident, ça, donc, de 10 têtes moins, je me supposé faire un autre bagarre dans la ville. Et l'autre bagarre là, j'ai essayé de regarder ce que ça m'a fait à l'époque comme potentialité que j'ai gagné étant un jeune garçon. À l'époque, j'ai gagné 19 ans. Et moi, 10 têtes moins, j'ai eu une idée de peinture et caille pour Fambim dans la période de fin d'année. Et j'ai remis ça tout et j'ai fait études. Oui, même quand je fais ça, en général, on connaît. Et dès le début, ils ont accompagné ou ils ont encouragé ou prendre des métiers manuels. Donc, moi-même, ça que j'ai choisi pendant que j'étais en primaire, c'est calligraphe, peinture. Donc, j'ai toujours une passion pour peinture. Et si une femme a un travail à faire, moi, je fais. Donc, l'incident est arrivé, j'ai travaillé comme un superviseur dans une station essence. Et puis, je me dis peut-être, donc, ça que je veux maintenant, je ne continuer, je vais faire l'autre bagarre dans la vie. Donc, c'est par la suite. Et 98, 99, pour l'entrée en 2000, je me dis, je vais essayer de mettre en compagnie sous pied. Mais avec recherche et sens de curiosité, tout, j'ai gardé, je me dis, en pile entreprises, des marketes, des banques, en pile d'autres institutions privées et publiques. Qui était en carence en ce qui concerne les propriétés. Et me dit donc, les gens qui ont entrepris ça, ils sont sales, ils ne sont pas tracés, ils ne sont pas limités, et vite ils sont sales. Je me dit, on compagnie, tant pour une compagnie qui a un service au niveau des nettoyages, de peinture, c'est très intéressant. Maintenant, c'est par la suite, j'ai décidé de monter compagnie ça, et monter un plan d'affaires, chercher financement. Et à l'époque, ils sont péripéties. Parce que aux jeunes garçons, pas une banque, qu'une institution qui voulait brancher ça. Ouais. Et donc, je me garde mon package de financement et je commence à monter l'entreprise là devant la porte là quand même. Et pour monter l'entreprise là, donc dès que on a un service pour le je vais spécialisé dans peinture, nettoyage. C'était deux services qui étaient primordiaux pour moi à l'époque pour me débuter compagnie. Okay. Et puis ensuite, je commence par organiser. Et mettez en pile tactique, en pile intelligence, pas à imaginer. Et je suis allé pour mal chercher clientèle, moi, parce qu'à l'époque, et au fin passer un péripétie devant un patron qui est humilié après la justice, pas qu'à la justice. Donc, ça veut dire que c'est un bagage qui est facile pour vous. D'accord. Maintenant, je dis donc, comment je vais laisser créer un marché pour me vendre service ça? Maintenant, je commence par aller à travailler dans des restaurants comme serveur. Et je vais faire 4 visites dans le prochain. Et je vais servir le client, je vais servir bien comme mon serveur.
Et puis, je me disais, moi, j'ai une compagnie qui offre service dans la question de peinture et caille, de nettoyage et de vernissage. Si jamais vous avez besoin de monde pour un tel type d'intervention, donc moi, disponible. Il y a des gens qui ont vraiment apprécié ça et puis ils prennent 4 ans. Okay. Et si par la suite, je commence à joindre des gens qui ont contacté, qui ont fait des jobs, et dans ces jobs, je commence à organiser, mettre l'équipement baguette. Et puis, en 2002, je me dis, bon, il y a assez de moyens qu'on y a là, je vais monter compagnie. Et en 2002, je monte compagnie ça. Et je me dis, on a un local dans Jacquet. Et c'est à travers ce local ça, je débute dans compagnie. Maintenant, compagnie, c'était à l'époque, nous étions au Dépeinte, qui était une société individuelle, qui était pour moi-même seulement. Et de 2002 à nos jours, en 2015, et à partir de 2014-2013, donc, vision compagnie a été grandie. Donc, nous avons transmettre compagnie ça comme une société en nom collectif qui est au Dépeinte Groupe Construction. OK. En dehors au Dépeinte Groupe Construction, ça, donc, c'est là tout le monde va le voir, et à travers des grands projets nous réalisés. Et dans le pays, par exemple, si tu as cité des projets comme et Finition et un projet en cours ambassade américaine. Alors, c'est là ma vie mandéo. Je dis à public haïtien, consommateur, et le ou de peintre, qui première l'idée qui vient à la tête? Qui ça ou de peintre? Qui ça offre aujourd'hui? Est-ce que nous vendons bien? Est-ce que nous offrons service? Donc, l'heure de ou de peintre groupe, qui premier bar qui devient dans l'esprit consommateur? En fait, premier bagage qui vient, nous avons découvert vraiment ça dans la tête consommateur là, c'est à partir de 2014 ou 2013, il y a une fois que Amcham a organisé. Mm-hmm. Et dans la fois ça, nous avons vraiment exposé des compagnies et tout produit nous, service nous. Donc c'est là nous avons commencé à découvrir qui ça public là, comprendre de nous-mêmes. Et en pile, monde te comprendre nous sont compagnie de peinture qui vend peinture, qui fait peinture, qui vend peinture. Et gien qui te connaît nous tout, le connait la peinture, le connaît nous comme une compagnie qui compte peinturer. Et gien l'autre tout qui te vient découvrir nous comme des compagnies qui en construction. Et chaque monde te gon idée, te gon on sens, on compréhension des compagnies. Okay. Maintenant, nous te vient dire donc pour ça fait fuck et nous vraiment positionner nous en ce qui concerne le marketing et la publicité pour nous capables de vendre la compagnie. Maintenant, c'est à partir de là, en 2013-2014, nous venons changer la compagnie comme Odepeinte Groupe Construction. Et en dehors Odepeinte Groupe Construction, nous venons joindre tout ensemble des services de construction. Par exemple, nous faisons des travaux d'aménagement de chitrock. Si vous avez un espace pour aménager, pour changer, pour transformer, complètement. Nous avons capacité pour nous faire ça et nous avons différents types de matériel que nous avons utilisé pour nous transformer en espace. C'est même genre dans l'espace ça, si vous voulez faire l'église, on peut transformer en l'église, vous voulez faire des bureaux, on peut transformer alors avec là, des espaces en bureaux. Là m'a vu mando est-ce que dès que m'étais au Dépeinte Groupe, pour ça me comprendre, c'est toute sa gamme avec service en construction, c'est conseil, c'est accompagnement, c'est des produits tout. Exactement. Et c'est ça, et quand il s'agit de parler de Odepeinte Groupe Construction, donc c'est tout ensemble de services qui viennent dans finition. Mais nous-mêmes, nous spécialisons nous, plus précisément au niveau de finition et rénovation. Okay. En dans finition et rénovation, donc, nous avons des travaux de peinture, nous avons des travaux de boiserie, des travaux d'aménagement de chitrock et de tout type d'aménagement, nous avons des travaux de maçonnerie, nous avons des travaux de plafond acoustique. Tout ça, ouais, en dans transformation, en espace cap rénové, des plomberies, électricité, nous avons ensemble de corps de métier ça qui disponible, mm-hmm. qui capable de réaliser de tels travaux. Sous marché A, est-ce que au dépend de gagner de difficultés pour concurrencer de l'autre compagnie dans même secteur ça? En fait, qu'est-ce qui concurrent au Dépeinte aujourd'hui? En fait, concurrent non. Donc, nous sommes jeunes compagnies. Et d'ailleurs, métier nous, hein, on a exercé en Haïti, finition, rénovation, sont métiers qui jeunes en Haïti. Donc, avant, on était content de tout le monde parlait de en compagnie de construction. Okay. Maintenant, compagnie de construction, ça, toute chaîne de métiers en dedans. Okay. Mais nous-mêmes,
nous font une sorte de délimitation côté que nous limiter champ d'activité nous. Champ d'activité nous spécialiser nous dans finition rénovation. Quand on parle de finition, par exemple, sous des chances ouais centre de convention BRH. Centre de convention BRH projet ça a confié nous avec Esquerlet là côté que compagnie de construction qui gagne projet ça, il fait des gros œuvres là. Et en gros œuvre là, c'est couler tout le béton, des poteaux, des choses comme ça. Mm-hmm. Maintenant, finition, c'est tout ça, ouais. Des murs, des plafonds, des peintures, des céramiques, des embellissements, des décors, c'est ça qui est finition. Ouais. Mais quand on parle de rénovation, rénovation, c'est un monde qui gagne bien, et on bâtit, mm-hmm. et peut-être qui a abandonné pendant des années, mais il a besoin de transformer. Peut-être en guest house, de transformer là en supermarché, et en l'église. N'importe quel type d'activité, il a besoin de faire dans. Et bâtiment et dans espace ça qui existait déjà. Okay. Donc capacité nous c'est transformer espace là. C'est mettre mon nan dans espace environnement qui est capable de répondre adéquat avec ça qu'il a besoin de faire. Très donc bien. Ça c'est très capacité bien. Nous. Très bien. Moi vu qu'on est par exemple Haïti bon gros difficulté dans affaire logement et qu'on est conscient de ça et ou entreprise d'accord de peintre est-ce que ça veut dire que la bonne opportunité donc charger opportunité pour lui. Yeah. Haïti, c'est un pays qui est chargé d'opportunités et qu'il tue notre, songez ça, et Jacques. Chaque Haïtien, pour le sentir bien, il faut le gonkaye. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que son secteur qui est vierge et qui est plein d'opportunités. Mm-hmm. Et je dis, nous avons un problème dans le pays, en tout, question de pouvoir d'achat. Et nous avons un problème de politique de stabilité. Okay. Ça permet des investissements qui ne sont pas faits parce que je dis, dans le secteur, monsieur qui a besoin, il faut le gonkaye. Mais faut secteur il a marché ou fait comme pendant faire comme là donc a dit mon cher ba marche ton terrain construit ton caille mais si vous pas faire comme économie pas bouger là a un problème donc c'est problème ça qui gagne dans secteur mais secteur et nous soit garder en termes d'espace chargé côté qui besoin construire et même là dans métropolitaine là ou grand pile espace si vous prend machine là dans 5 minutes à 10 minutes pour regarder qui on fait vers le nord ou vers le sud pour regarder quantité d'espace qui est disponible qui a besoin de construire qui est en termes de bâtiments résidentiels, commerciaux, n'importe type de construction. Donc moi c'est son secteur qui vierge et plein d'opportunités en Haïti pour construction. Principale clientèle au départ actuellement, il est composé de secteur privé ou bien secteur privé en fait public ou bien est-ce que est-ce que nous avons des demandes qui viennent de Haïtiens qui sont à l'étranger? Mais qui souhaitait rénover et aménager ou espace qu'il y a en Haïti. Yes, clientèle non li partout et nous avons des clientèles au niveau de communauté internationale des ambassadeurs qui sollicitent service nous avons des et au niveau des secteurs publics là l'État haïtien utilise service nous à travers les ministères des bureaux de l'État nous travaille et par exemple centre de convention BRH. Et ça, c'est des institutions de l'État qui utilisent les services nous. D'accord. Et tant d'autres autres ministères toujours qui sollicitent les services nous. Et au niveau des secteurs privés, en tout, nous avons un peu d'institutions privées, qui sont des banques, ou bien des compagnies de communication, ou bien d'autres compagnies qui sollicitent les services nous. Donc, au niveau des diaspora, nous avons des clients qui nous travaillent ensemble avec eux, côté qui ont une construction qui a fait ici. Par exemple, il y a un journaliste. Des internationales et sont médias qui relayent en Haïti et journalistes ça moi comme des font expérience ensemble avec lui quand elle a un appartement elle a besoin rénover fini nous travaillons pour lui et lui toujours référer nous avec des monde donc diaspora nous avons des clients de diaspora qui intéressés travaillent avec nous et clients diaspora on capable de même ils ont toujours en confiance pour travailler avec nous parce que selon tout témoignage nous gagnons de eux-mêmes, ils ont toujours dit, mon cher, si je devais être en rencontre, ça a fini déjà. Je me demande pour qui ça. Mon cher, chaque fois, je vois 1000 dollars, je vois 10 000 dollars. Là, je vois une photo, je ne vois rien que fait. Mais avec mon compagnon, je connais payer pour faire un travail, je vois un transfert sur le compte, dès qu'on recevra un transfert, on dit, moi, je travaille dans tel lait. Quand l'air est arrivé, quand il y a un retard ou bien si il y a des contraintes, mes travaux sont finis, mon travail est fini et moi. Et ça, c'est des feedbacks très positifs. Et soit suivre nous sur les réseaux sociaux. Des commentaires mon a metté qui à travers Facebook, à travers Instagram, à travers Twitter, des commentaires mon metté ça c'est pas cadeau, c'est ça. C'est résultat travail nous, des satisfactions clientèle nous. Satisfaction clientèle. Ça partie de ça, ils confient nous et aujourd'hui nous positionner nous comme un leader dans le domaine là et nous dégager nous assez bien
Et c'est pour un bail qui est facile en Haïti pour des jeunes garçons de classe moyenne, arriver, établir ou non secteur, et, ou bien positionner sur le marché. Donc nous-mêmes, nous faisons. Et grâce à Dieu, nous avons des institutions au début qui ont donné nous opportunité, nous avons saisi de nous-mêmes. Par exemple, nous avons une institution en tant qu'ambassade américaine qui a des institutions internationales comme Loop, J. John Fleer International. Alors, il y a des grandes compagnies, des géants compagnies internationales ça, qui certifient au nom domaine. Donc, ça, c'est mine d'or. Extraordinaire. Donc, et quand on appelle deux fois participer, et en ce qui concerne des expériences, donc, on ne peut pas bloquer cela. C'est bien. Parce que vous avez expérience, vous avez capacité à travers l'expérience que nous prenons un projet, ça, pour réaliser. Madame Monsieur, je m'appelle nous que nous avons avec nous aujourd'hui, un grand invité, c'est M. Audelin, et deux groupes. Au dépend groupe construction. Au dépend, voilà, groupe construction. N'ap essayé de comprendre actuellement dans le contexte économique comme ça, qui principal, ou bien qui deux principales difficultés que le groupe a dirigé à rencontrer actuellement? Donc, mon quoi, principale difficulté, groupe noir, au dépend groupe construction, et vivre aujourd'hui, hein, moi, il n'est pas différent pour n'importe entrepreneur qui a suivi mission ça. C'est question de inflation, c'est question de instabilité, c'est question de taux d'échange. Donc aujourd'hui, là, l'homme mon travail à faire, on a posé cette question vraiment est-ce que je dois investir ou je ne dois pas investir. Et donc là, j'ai un client qui contacte ou après fin font évaluation pour lui, mon chef a bien expliqué pour montrer l'intérêt gain pour le faire travailler ça parce que il presque pas envie faire parce qu'elle a posé cette question est-ce que l'investissement ça me va le faire il pas bien me font titan toujours donc mais c'est des difficultés nous connaît toute difficulté qui gagne dans pays pas une personne qui gagne pour relever défi hein, c'est petit pays hein. Je dis en penser c'est haïtien haïtienne femme garçon qui pour mettre tête ensemble secteur privé public mon en dehors mon la ville vaudouisant protestant quel soit le type de secteur que tout est appartenir, c'est unité pour construire le pays. Non? Donc, nous ne pouvons pas construire le pays ça si nous divisons. Et nous ne pouvons pas construire le pays ça tout si nous mettons responsabilité en sous compte Jacques. Parce que Jacques n'est plus en parle, ordre de l'Igent, ordre de l'Igent, parle. Je dis à moi-même, si en 2002, je ne pas prendre disposition pour me faire des je dis à moi, je pense qu'il y a des gens qui vivent, qui payent l'école petite, qui vivent des compagnies, qui ne sont pas capables. Et des associés qui me tout, ils ne pas je n'ai en institution pour être investi comme bio. Donc, mon quoi, construire un pays, construire une société, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de Intel ou indexé président ou bien membre du gouvernement. Oui, il y a une contribution par eux parce que y a une nouveauté, il y a un talent à l'élection. Donc, il y a dit, il y a un travail, il y a un café, il y a un changement, il y a un côté. Donc, il faut qu'il y ait un changement. All right. En fait, est-ce que actuellement, dans le secteur service, dans le secteur construction, par exemple, le public n'est pas connu trop, un peu, en fait, nous pensons que l'hôtel est mieux connu, il y a d'autres qui sont dans le secteur service financier mieux connu, mais le secteur service en construction n'est pas tellement connu. Je veux dire, à qui ça s'apprend comme défi pour une jeune compagnie, pour quelqu'un qui a réfléchi à la connaissance, pour lui dire, je vais investir dans le secteur ça. Qui conseille au capable de bâtir? Qui peut lui donner ce qu'il y a pour entrer dans le secteur ça? Bon, je pense que et n'importe investisseur qui comptait faire business, qui voulait faire business, pour mieux ça aller pour le faire, c'est étude marché. Donc étude marché, s'ils font bon étude marché, ils connaissent ça l'affaire, donc ils gagnent place là. Parce que moi-même défi m'a relevé aujourd'hui, n'est pas facile pour Jacques relever défi ça. Absolument. Et conviction me gagne, passion me gagne pour me faire ça m'a fait, peut-être ou pas gagne même passion ça pour faire ça affaire. Aujourd'hui là et ou qu'a dit mais est-ce que tout bagaille rose pour moi au niveau de compagnie et au niveau de compagnie mieux on capable de oui ou non mais est-ce que ça mandé tout pour me baisser les bois non et on a regardé dernière compagnie nous créé là qui c'est OD distribution c'est une compagnie de distribution de produits et compagnie ça nous obligé créer c'est juste pour nous fusionner entre service et produit qui ca permettre nous vraiment ca répondre avec demande clientèle nous parce que premier, ça n'a pas essayé de chercher, c'est garder mettre un service qui est adéquat et non plus compétitif, côté que vraiment, les gens qui déjà pas de pouvoir d'achat capable d'utiliser ce service. Okay. Et moi, chaque téléspectateur, chaque monde qui a une chance de suivre l'émission, ça,
c'est ce que il y a un travail l'état a fait la caler soit une salle de bain l'état a même rénové il y a une chambre l'état a même rénové il y a une cuisine ou bien une intervention l'état a même fait dans cala parce que cala a construit des années maintenant le mandon petit touche mais pour tout ça qui fait pour le capable de un service absolument. Avec un prix qui complètement raisonnable qui va permettre vraiment vrai dit bon faire travailler ça parce que mon a vivre avec problème absolument par contre si ça arrive au côté qu'on entre ou qu'on espace la caillou qui bon travail qui supposé faire chaque fois entrer c'est comme si son défi ou rien devant si c'est dans salle de bain là de pour entrer dans salle de bain là premier côté je tomber c'est dans problème là si c'est WC en qui pour ta changer ou bien lavabo ou bien robinet n'importe type de réparation que tu as supposé faire les kembo comme vraiment un engagement ou gain avec famille ou supposé prendre mais pour faire faut joindre des compagnies qui gain des produits des services qui vraiment équilibré qui a convaincu ou investissement à faire il vaut la peine justement ma vie Mandéo avec en fait, dans le contexte de donc dévalorisation de goudla de l'argent national là et au monde qui dans classe moyenne qui a pas un gros salaire mais qui t'a remé améliorer côté la vivre et ça représenté pour de jeunes familles et qui décide à l'entreprise dans cours de peinte qui dit ah au de peinte ma vie par exemple ou font évaluation pour moi ma vie que on fait des travaux de réalisation d'aménagement ma vie qu'on diagnostiquer une situation côté que nous bon logement mais pas une valeur nous envie belle valeur est-ce que ça coûte en pile je dis pour jeune famille embarquée dans rénover et demeurer Jacques nous gain client dans toute catégorie de monde dans société. Et nous même premier défi nous c'est arriver à travail pour monde vraiment vrai cap toucher 25 000 goud comme salaire. Et nous gain des plans de paiement et me ca bon on ti histoire majorité client nous gain des petits bous c'est des clients qu'on aurait pour monsieur plus facile. Des clients ont une estimation fait pour lui peut-être pour 50 000 goud pour font travail peut-être au niveau de construire une cuisine ou bien font intervention la cali 50 000 goud li là ou fin travail jodi en demain le baou le cash de compte le baou et au cas joindre des clients côté que vous faites des contrats de 20 30 000 dollars américains mon cher là pour toucher dernier tranche comme ça presque qu'ta dire c'est service recouvrement faut ta passer à travers des services juridiques compagnie pour toucher comme ça all right donc nous même et nous connaît jodi nous connaît nous nos populations qui très jeunes qui riches faut dire ça parce que jeunes filles, jeunes garçons, nous, je dis à des jeunes garçons qui sont dans l'université et qui entrent sur le marché du travail, là, nous avons confiance dans eux. Et nous-mêmes, nous avons facilité pour que les gens, si vous travaillez à faire, premier bagage, nous avons fait évaluation pour eux gratis. Alors que l'évaluation, en général, nous demandons un frais pour ça. Mais, premier, ça nous est, c'est arriver à gagner un maximum de clients pour nous arriver à Kembe. Et moi, il y a une philosophie, il y a une leçon à apprendre dans faire business, c'est syrien. Ou à rentrer dans business en syrien, il y a envie de vendre chaque jour, à bon marché. À petit, à petit. Petit à petit de la vente. Ou à rentrer dans business en syrien, ou à prendre syrien campé là, il y a 20-30 petits commerçants qui viennent acheter, il y a patience pour le servir tout. Et c'est une bagarre que nous faisons, nous-mêmes au niveau des classes moyennes. En général, les gens qui rentrent là-bas, nous mal servir. Et nous-mêmes, même si on a bagarre, on dit toute vendeuse là, carrément, tout le monde qui a servi, qui est dans l'eau de distribution, qui est à travers l'eau de peine de groupe construction, client c'est quoi? Quand il s'agit de franchir portement son client lié. Donc, on vient pour servir, même j'en servis Jacques, même j'en supposé servir monsieur Intel, ils sont clients. Ils ne sont pas un client parce qu'ils sont petits clients, pas un petit client. Et c'est une bonne histoire. Nous sommes un client, et époque 2004, monsieur m'a demandé une centaine de vis vendre des petits vis qui vendent à l'époque 100 goud même dès qu'on vend matériaux de construction des produits que nous servions des chitrac tout l'autre matériel moi l'aime commander donc on pas utiliser tout toujours mettre et on partie là-dedans pour vendre mais plus que pas de bon espace vraiment avec comme un showroom dans promotion moi dit me faire livraison à domicile et gratuit maintenant client ça toujours contacter pour une centaine de vis des fois monsieur dit ah ou de l'aime déranger soit monter Petroville monter avec un sachet pour moi toujours monter avec monsieur Bam 100 goud dans balle recel me servir tant que client on c'est client c'est client mon cher bonjour monsieur contacter monsieur dit Audelin est-ce que vous faites travail des
des chitrock, des bas aménagements. Je me dis, monsieur, mais oui, il me fait bailler ça. Monsieur dit, ok, je vais me mettre en contact. Mais ce n'est pas la suite. Monsieur va me mettre en contact avec Banque Nova Scotia à l'époque, qui va me rénover 4 ceux qui sont volés. Rénover 4 ceux qui sont volés, la Banque Scotia, Scotia Bank, tu as ceux qui sont volés. Carrefour, tu as Grand Rue, tu as Delma 18, et tu as une petite ville. Donc, pour rénover 4 ceux qui sont volés, repeinturer, refaire aménagement, mettre en belle fraîcheur, parce que la banque a une politique pour vraiment soit refaire image banque là en Haïti, grâce à une centaine de vis. Donc, en ce qui concerne les clients, c'est plus gros erreur au monde qui a fait minimiser les clients. Ou pas pour minimiser les clients. Client, dès qu'il s'agit de clients, c'est servile. Donc là, expliquez-nous en termes clairs que seule politique au dépend de groupe, c'est satisfaction clientèle. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'équipe qui accompagne qui permet que, je veux dire, une satisfaction ça? Et je crois chaque entreprise qui a fait succès, ou est le logo belle, ou est en réalisation faite. Côté qui une belle image son équipe et je dis là pas preuve et plateforme moi il t'a suffi pour t'a fait toute équipe au dépend groupe construction t'a venu pour m'ta venir faire parler des compagnies ça mais il faut résultat travail ça c'est tout ensemble de en passant par équipe technique qui sous chantier des messieurs des professionnels des boss ouvriers contremaîtres des ingénieurs privé dans personnel administratif, qui c'est directeur marketing, qui c'est administrateur, qui c'est comptable, qui c'est messager, qui c'est monde qui a nettoyé l'institution. Et c'est tout ensemble de monde qui fait force compagnie ça, je veux dire. Okay. Et on ne peut pas faire succès ou pas une équipe qui croit en vous. Et c'est une chose que je toujours dit, équipe, moi, pas garder comme patron, garder l'entreprise comme patron. Parce que depuis le disparaître, on n'a pas un job. Est-ce que je dis, là, en pile entreprise dans le secteur service, surtout, obligé de faire compression, demander employé parti. Est-ce que ODP de groupe pas affecté par situation, par conjoncture, on t'a parlé de goût de la cap dévaluer et qui fait que le pouvoir d'achat doit disparaître? Mais comment ODP doit organiser pour faire face à cette situation ça? Et ça c'est une politique, ça c'est un plan, on pas parler de politique, ça c'est un plan de développement ou bien son plan de fonctionnement de compression pour faire compression dans l'entreprise. Donc, je dis, là, il n'y a pas 15 ans qu'on est entrepreneur, ou il y a 10 personnes dans le service, 10 personnes, l'on passe au fond de dans le service, ou 10 personnes, c'est texte dans le téléphone. Non. Psychologiquement, il y a un message qui vient de nous, ou il y a un combo perdu, ou il y a un manque à gagner, ou richesse, ou bien il y a une valeur qui a gaspillé. Donc, on n'a pas le choix. C'est compression. Donc, je dis, là, pour que tout ingénieur qui travaille avec moi, pour un projet. Pour que tout personnel moi faut me travail si pas de travail donc m'a que ça essentiel donc aujourd'hui en compagnie en lien encore la fonctionner avec un effectif qui est nécessaire et si ça m'a demandé pour réduire toujours la réduire et si ça m'a demandé pour l'augmenter dans les jours qui viennent peut-être demain pour l'augmenter la pour augmenter et employé tout yo connaît mettons employé à la disponibilité mettons ba un employé on lettre mise en disponibilité c'est pour un fardeau et c'est pour un crime lié mais son décision ou obligé de prendre parce que l'entreprise, il faut qu'il paye d'être lié. Ou pas qu'il y ait une entreprise, l'entreprise, tout ça l'affaire, il consomme là encore. Donc, il faut que l'entreprise vive et chef d'entreprise, il faut le vivre de lui-même. Parce qu'on ne peut pas travailler, c'est là où on vit. Donc, il faut qu'il vive de lui-même. C'est donc, ça. Et compression, et mon cas, c'est vraiment regrettable. Et nous, vraiment regrette pour des gens peut-être qui ont l'aide de mise en disponibilité dans mais aujourd'hui, qui ont suivi l'émission. Mais je dis, prends patience, peut-être si l'économie a remonté. Et je crois que le patron est trop content pour retourner travailler avec l'employé. Parce que il y a déjà un investissement qui fait en tant qu'employé. Lorsqu'un employé qui travaille ensemble avec vous, c'est comme si on petit lié. Ou instruit en fonction de vous-même. Et il cherche à comprendre. Parce qu'il faut qu'on y mette. Il faut qu'on sauve, il faut qu'on ne sauve pas. Il faut qu'on tige pour l'aborder. Donc, lorsqu'un employé qui investit dans lui, il est dû pour apprendre ça ou mettre le de côté. Et moi-même, il y a des gens qui ont bâillé, qui mis en disponibilité. Franchement, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire. Mais c'est ça. Bon, donc, c'est peut-être ça, on n'a pas encouragé l'acteur principal, qui est ce monsieur dans le Parlement, qui est ce monsieur au niveau de l'exécutif. Messieurs et dames, s'il vous plaît, il faut que nous fassions des choses parce que le pays n'est pas carré là. Nous avons un pays qui est vierge, nous avons une jeunesse, nous avons des jeunes filles, jeunes garçons, qui ont des capacités, qui ont des connaissances, qui ont des travail, qui ont des forces, qui ont des travail, mais pas de travail pour le travail.
Et je dis là, on regarde des gens qui sont au Chili, qui sont dans l'autre pays. Bon, garanti, il y a des employés qui quittent le Chili. Les gens qui arrivent dans le Chili, je les regrette infiniment. N'importe quoi, je regarde des bouquins qui sont à vous et bon, moi, je ne tourne pas. Je ne connais pas. Et je dis, la situation, ça, les trouver là-dedans, c'est vraiment vrai, c'est le dirigeant, nous, peut-être, qui part à la hauteur, qui met ton pays dans une situation côté que ne pas prendre destin pays en main. Merci. Mais, madame, monsieur, merci parce que avec nous. Nous avons avec matin le groupe ODPET et le président qui c'est Audelin. Expliquez-nous, en deux structures par là, comment vous structurez, comment vous organisez pour être capable de stabiliser ce marché. Mais la paix de nous, tout dans le contexte économique actuel, là, qui stratégie vous mettez en place. Mais ça, nous avons demandé Audelin qu'on y a. Et nous connaissons que le gros problème démographique, il y a plus de monde qui dit pas au prince saturé, et ce n'est pas seulement pour le prince. Toute ville nous est surpeuplée. Nous avons des cas haïtiens et nous avons les cas, nous ne pas dire n'importe quel chiffre là, mais nous conseillons dans la ville ça. Il y a pile de monde. Et tout côté de monde, question logement à poser, question service à poser, question conseil en aménagement, rénovation posée. Comment au départ, à vous construction organiser pour profiter de possibilités ça, dans le cadre de décentralisation. Bon, et nous travaillons dans toute ville de province. Nous travaillons, nous avons expérience et Wanamet. Ouais, lié côté Wanamet, nous avons des projets nous réaliser Wanamet pour l'État haïtien et pour le secteur privé. Nous travaillons Inch, nous travaillons au CAI. Mais ça, c'est pas de que nous pauvres princes, mais nous pas gagner. Non, nous pas gagner en base, nous pas construire ça dans la ville de province. Ok. Maintenant, nous n'avons pas à travers une émission ou bien tout le monde information, les contacter nous. Mais projet lié projet, c'est notre destination. Reculer de Port-au-Prince. Mm-hmm. Donc nous-mêmes, okay. Nous dépêchons l'équipe, nous, à faire évaluation pour le client. Après évaluation, le client fait des décaissements, nous transportons matériaux, équipements, mobiliser fonds mobilisation, et puis nous travaillons. Donc nous travaillons à travers toute ville de province. Et ça intéresse nous, nous travaillons pour tout le monde. Et nous-mêmes, il y en a, moi, toujours dit tout un ingénieur qui travaille ensemble avec moi. Et si tous les nous gagnons un projet, et dans la ville de province, souvent, nous toujours encourager à utiliser les ressources locales. Qu'est-ce que c'est en termes de ressources humaines, qu'est-ce que c'est en termes de matériaux. Ça ne nous pas qu'à servir, nous sortir avec le Port-au-Prince. Je dis, si nous avons un chantier au CAI, il n'a pas fait 15 sens pour sortir avec des aides, des gens vraiment qui pas trop spécial pour dans le domaine, pour sortir avec le Port-au-Prince. On travaille avec eux. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer une quantité de réseaux que ça permet de créer. Je dis, là, je suis capable de boire. Dans toute ville de province, c'est difficile pour moi en difficulté. Parce que dès que je travaille dans la ville, qui est ce chauffeur moto? Vous êtes impliqué dans le travail là. Parce que le chauffeur moto, il a besoin. Le premier contact que je prends dans la ville, c'est le chauffeur moto. Mon chef m'a pas côté ça et je vais tel côté en allant même. Il prend devant, je vais suivre. Là, une relation commence à développer. Et chaque bagage au besoin dans la ville, là, dans le cadre de construction projet, son chauffeur moto dit mon chef m'a cherché tel type de matériaux, côté gros matériaux de construction. Il dit pas de problème directeur, je vais non. Donc, il est impliqué. Maintenant, en ce qui concerne les ouvriers locaux, donc tout le monde qui est dans la zone, les gens qui sont venus, ils viennent travailler. Et nous, quand nous avons des gens, des expériences nous avons dans la ville de province, ils sont entrés pour venir travailler avec nous. Parce que l'expérience que nous faisons avec les gens est tellement intéressante, les gens qui travaillent, ils sont intéressés avec le travail. Et c'est que quand il s'agit de gens qui ont passion pour le travail, ils aiment le travail d'amour. Okay. Et les gens qui sont plus en mime, c'est les gens qui aiment le travail. Okay. Parce que les gens qui aiment le travail, là, sont les gens. On n'a pas fait le peur et quelle soit la difficulté de penser le cas, affronter le pour avancer. Mais nous sommes disponibles pour nous travailler dans toute ville de province, okay. Sans problème. Oui, en fait, dans le cadre de décentralisation, est-ce que nous gagnons actuellement au niveau clientèle, non? Et est-ce que le cap dit, par exemple, en termes de pourcentage, et ça peut être représenté pour nous et sa province est représentée pour nous? Alors, en général, la majorité des clients, c'est dans la zone métropolitaine. Non? Et c'est. Parce que, au connaît, la République de Port-au-Prince, c'est là toute bagaille Yoshita. Ou bon, gros organisation internationale, base 10, c'est dans la capitale là. L'État, tout ministère, c'est là. Donc, premier contact, nous avons l'IRA pour un projet en province, pour se pas à travers la capitale là, première démarche a commencé. OK. En fait, la majorité clientèle, nous, c'est dans la ville, c'est dans la zone métropolitaine. Là. D'accord. Quelle stratégie au départ pour rapprocher le plus de l'autre monde qui peut reconnaître et qui a besoin de service ça aujourd'hui? Stratégie au départ du groupe construction, ou après nous, pendant les 5 dernières années, nous sommes très actifs au niveau du marketing et nous impliquons dans plein d'événements, des rendez-vous par exemple, des carnavals, et nous toujours sponsorisons des gros
ténor tant que Jaco Tivas de l'autre groupe et grand pile événement par exemple nous faisons ensemble avec groupe croissance et grand pile l'autre activité avec secteur évangélique et moi en pile monde qui suit nous là me suis que yo wè logo ça quelque part soit dans petit écran ou bien entendre la radio parce que nous vraiment participer en pile dans pile activité et nous très actifs tous sur réseaux sociaux par exemple sur Facebook sur Twitter sur Instagram et sur tout forum YouTube nous très présents okay. Et moun capable wè nou et grand pile conférence nous bay tout à travers de l'école yo dans université yo ça permet et nous parler clientèle là davantage et qui s'accompagne ça fait qui service là pour fri et nous pas jamais rater occasion de certains projets les nous et joindre pour nous parler de yo par exemple pour nous dire mon mes réalisations par exemple lors du monde mon cher centre de convention BRH yon nan premier bâtiment qui reconstruit après tremblement de terre c'est Ervo ça son fierté ça son garantie lors d'un monde tant que yon nan plus gros ambassade dans pays un plus gros investissement pays en jambe connaît tout comme construction ambassade américaine son projet au travail là-dedans son projet ou bien certification pour lui ça c'est quelque chose sous d'un monde dans tant que des institutions des fonds causés des autres institutions financières autant que Finca et c'est des clients et qui fait nous confiance et institution ça ou pas faire n'importe monde confiance pour le bon travail parce que dans finance donc chaque y a dépensé on goût y a décaissé on goût faut qu'on connaît combien y a décaissé dans bonne direction et a décaissé le tout et avec des monde qui gagne compétence qui gagne expérience qui ca ba résultat qui a cherché donc on croit c'est à travers tout ensemble des événements ça ou des travail nous ou après nous toujours afficher nous que c'est machine nous yo identifié dans la rue avec des logos et immeuble nous qui sous canapé vert ou après logo en affiché donc nous quoi ça à travers et canal ça nous communiquer avec public là pour connaître exactement et dans cadre mission là tout donc si nous pas intéressé et faire monde connaît ça n'a fait dans société qui ça nous ca faire donc peut-être invitation là nous devons pas répondre mais là nous une plateforme tant qu'on réseau SSBP et n'a et vous un gros coup de chapeau pour Cal et toute équipe liant et c'est grâce avec et mouvement ça jodi a qui vient devenir association entrepreneur et qui gagne en émission pareil qui c'est vrai entrepreneur qui c'est une plateforme et qui sont honneur pour moi pour sur plateforme ça jodi a moi c'est à travers tout canal ça nous utiliser pour nous capable vraiment communiquer et service nous yo et en termes d'expérience que nous gagnons dans le domaine ça. Madame, Monsieur, nous suivons vos entrepreneurs. Ils ont une émission qui consacre à tout acteur qui est dans le secteur économique, entrepreneur qui ont des pour présenter pour montrer le public. Là. Et l'émission, ça n'a pas appelé, c'est Télé-Pacifique avec sa CIDISPAM qui peut être pour vous. Nous avons avec nous matin, au départ du groupe Construction et président qui c'est Audelin qui est avec nous là, qui a aidé nous comprendre plus bien le secteur ça. Audelin, je vous demande, qui je dis à et qui analyse ou fait de façon globale et comme entrepreneur pour monde qui a aller chez quel qui a prêt aller bosser pour investir aujourd'hui qui comment trouve aujourd'hui comme un nègre qui dit m'va investir aujourd'hui dans contexte économique général ben cal m'a dit ça investir dans la construction son comme qui va jamais perdre aujourd'hui on regarde toute évolution qu'a fait dans le monde là et on regarde un phénomène qui c'est Airbnb. Ça veut dire que longtemps on était connu gon caille ou abandonné caille là. Jodi on bon garanti ou gon pièce caille, on chambre à coucher la caille ou quitter pour inviter ou pas commencer faire comme avec. Sou compte qui gens pour faire comme avec. Ou juste monter sur site là, ou inscrit, ou mettre information, ou mettre des photos. À partir de là tout le monde qui intéressé cap vienne dans zone là, yo connaît gon espace taille ou capable louer. Donc ça veut dire que investir dans la construction, investir dans l'immobilier, c'est pour comme des gens perdu. Et nous même traditionnellement, nous même haïtiens nous quoi nous gagne c'est les gon caille son nèg a travail ou pas jambe gon caille pour moi pour que jambe travail et n'importe jeune fille jeune garçon aujourd'hui qui sont dans université qui est entré sur et qui est entré sur le marché d'emploi puis gros rêve li gagne après elle fin construit frail c'est gon caille donc ça veut dire que pour mon investir dans la construction son bagage qui normal et moi aujourd'hui chaque fois moi gagne chance m'a conseiller des clients moi toujours conseiller client construit selon besoin. En pile fois nous fait erreur ça tout. Nous essayer construire un caille qui ca coûter 400-500000 dollars américains, nous pas jamais finir. N'a vivre dans caille là même vivre nous pas jamais ca vivre dans caille là tout parce que
pas besoin pile pour vivre dans caille. Espace pour invité qui c'est salon, c'est une fois parfois on entre là-dedans. Là où invité. C'est chambre, c'est salle à manger, hein. C'est espace, c'est parking, c'est la cour. Donc au lieu de terrain ou construire un gros caille là-dedans, limier ou construire un caille pour vivre, pour construire l'autre caille pour faire business. Mm-hmm. Donc ça veut dire que aujourd'hui là moi-même si m'da gagne n'importe comment m'a continuer à investir dans l'immobilier. OK. Et m'a bon l'autre comment comme m'a investir dans l'immobilier et m'a besoin comme tout m'a ka jwenn caille pour me vendre, m'a ka faire comme toujours. Donc ça veut dire que immobilier secteur ça son secteur moi m'encourager tout le monde investir mm-hmm. là-dedans et soit investir dans l'immobilier bon garantie. Aujourd'hui là maman moi pas pour quitter ton caille pour vous. Au lieu quitter caille en Haïti, l'a gaspiller ou pas jamais faire avec relon compagnie. Li gen droit au dépend groupe construction. Mais il y a des autres compagnies, tout confier compagnies, ça fait le bon devis, rénover, le mettre en loyer. Il y a des agents, je dis, là, des agents immobiliers qui sont sur le terrain là, qui ont vraiment valorisé ça pour permettre comment entrer dans le poche, côtoyer dans la diaspora, n'importe quoi, côtoyer, Kaila, la faire comment entrer dans le poche. Et dans n'importe zone, bon, bon, garantie qu'on est à Kaila. Ou on peut tout faire comme dans Kaila, je dis, là, en dans bidonville. On est qui a deux pièces 40 dans bidonville, dans Zami, chaque 6 mois, comme vous venez en parce que Maléa lui-même, il connaît le travail dans la factory, il gagne 6 000 dollars, il gagne 30 000 gouttes pour le payer en chambre, et 30 000 gouttes, c'est son sol qui fait pour le payer. Parce qu'il connaît depuis le pas payer, il n'y a pas de mettre le cas, mettre le dehors, il y a une balle pression, mais 30 000 gouttes là, couché là. Mais 30 000 gouttes, alors changer le bête là. C'est l'argent lié. Donc ça veut dire que moi-même, pas de façon pour ne pas investir dans l'immobilier. N'importe façon, l'immobilier, je pense que c'est son secteur qui viège et m'a encouragé d'autres investisseurs à entrer là-dedans. Et espace et ça tout, nous connaissons sa propriétaire. Et chaîne télévision ça qui ça le représente dans le secteur en tout dans son secteur vraiment qui gagne pile opportunité et n'a pas encouragé moun confier gain confiance right. Et ça on pense ou pas parler de lui-même en pile fois yo pas faire confiance avec des compagnies locales yo et on regarder gain pile et des projets de construction et soit au niveau des secteurs privés ou bien secteur public là moun yo plus confier avec des compagnies étrangères. Oui, son choix parce que l'on a dépensé comme vous, vous voulez dépenser, on peut avoir garantie. Mais en même temps, il y a des gens sérieux, il y a des institutions, il n'y a pas seulement nous-mêmes au niveau de ODP de construction. Mm-hmm. Parce que pour son plan, pour son plateforme, pour à l'aise, pour parler dans toute radio, dans toute télévision, donc force sûr, vous faites travail ou bien. Donc, en même temps, il y a des institutions, des entreprises locales qui sont sur le terrain là, qui ont des compétences, des jeunes ingénieurs, des professionnels, des contremaîtres, ils ont des compétences. Je m'encourage les clientèles à utiliser les services pour ça. Et tout, même l'État, tout, je n'ai pas de problème aujourd'hui. Au cas où un projet ou estimé projet, on garantit qu'on va chercher peut-être en termes d'équipement, parce que aujourd'hui, là, nous avons pile faiblesse, pas conscient. Nous avons pile faiblesse dans le secteur. Il y a des matériels que je cherche moi-même. Comme je dis tout en nuit sur Internet, je cherche, je regarde qui pays m'a besoin, qui j'ai fait le shipping, comment je fais pour le vivre en Haïti. Alors ce que des compagnies c'est juste garder sous ma plan est-ce que c'est tel magasin qui des matériels ça disponible à le chercher. Donc on a toute faiblesse là mais nous on est tout secteur pour secteur à venir fort c'est continuer supporter. Sous pas supporter la vienne plus faible. Au te prendre un exemple avec tout à l'heure là. On t'a dit sous gain 1000 dollars vous mettez l'en côté et au gain 1 dollar vous mettez l'en côté sous soigner 100 dollars chaque jour, 100 dollars grandit. Il a grandi le pape salier. Et si vous arrivez pas soigner 100 et 1000 dollars, bon garantie 1000 dollars c'est diminuer la vie diminuer et elle diminuer la disparaître. Donc je dis en secteur pour le fort pour vraiment pays nous représenter ça le représenter avant que c'est au niveau des politiques, que c'est au niveau des touristes, que c'est au niveau des constructions. Donc, vous pensez que c'est petit pays hein, pour qu'il y ait confiance pour investir et pour confier avec entrepreneurs des entreprises des pays. Hein. Merci, merci Audelin. C'était le mot de la fin. Je crois que nous avons passé un moment extraordinaire avec un invité de matin, hein, Audelin, qui est président au dépend groupe construction. J'espère que nous avons appris, j'espère que et puis, ça a été pour ton plus. Dans le monde qui est curieux, dans le monde qui soit possédé, donc déjà, soit pour posséder, mais qui a envie. Leur besoin de service qu'on a qui espère adresser. Son entrepreneur local qui construit, qui raconte l'histoire, qui est assez touchant. Et je dis merci particulièrement à tout le monde qui en général, fait part de passer à travers la plateforme, ça c'est Business Spam, pour être capable d'informer le service que la plateforme a disposé. Donc, au-delà, c'est membre de la plateforme ça. Et je crois que c'est donc, y a tout intérêt
rentrer en contact avec lui. Au-delà, comme dernier monde, il m'a dit qu'il était capable de rentrer en contact avec compagnon. Oui, il est facile de rentrer en contact avec compagnon. Donc, nous, tout près là, sur route des canapés verts, c'est la zone Jivena. C'est 27 route des canapés verts. Zone Jivena, enseignons très clair, logo nous affiché sous mien. Et nous avons un magasin qui est OD Distribution. Nous distribuons des produits matpa, des céramiques, des peintures, des tôles et tout ensemble des produits de finition. Et téléphone nous capable de contacter nous pour OD Distribution, c'est 29 10 99 99. Je répète, 29 10 99 99. OD Peint Groupe Construction, c'est 3 OD Peint. 3 OD Peint, pour les gens qui comprennent qui est intelligent, c'est pendant qu'on a écrit OD Peint dans le petit écran téléphone, on a fait 36 37 34 68. 36 37 34 68, c'est le numéro de téléphone, vous êtes capable de rejoindre nous. Mais nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, que c'est Facebook, que c'est Twitter, que c'est Instagram, à travers OD Peint Groupe ou bien OD Distribution. Merci Jacques pour m'être sur la plateforme ça aujourd'hui. Et moi remercie encore une fois tous les téléspectateurs et tout le monde qui était dans le studio, toute équipe et Télépacifique là qui te permet de travailler ça, arriver venir joindre nous. Encore une fois, merci. Merci Haïti. Que bon Dieu bénisse pays ça. Madame, monsieur, merci infiniment. C'était vous, entrepreneur. N'abdi à la prochaine. Bye bye.